Bon, voilà les rails. Il est actuellement 7h20, on va dire. Alors, pour de vrai, là, ça va, j'ai plutôt bien dormi, mais pas vraiment bien. Je sais pas, c'était bizarre. J'ai pas eu de sommeil profond. Le principal problème, c'était le bruit, en fait. Vu qu'il y avait du vent, fou, ça avait beaucoup trop de bruit. On se rend pas compte, mais juste le vent, il passe dans les branches. Ça fait comme ça tout le temps sans arrêt. Après, là on peut entendre les bruits d'oiseaux. Il n'y avait pas pendant la nuit. Mais voilà, après sinon il faisait pas du tout froid. Hein. J'ai dormi à poil dans mon sac de couchage. Je me préparais tranquillement, frérot. Je vais grailler un petit peu. Et puis je vais tout simplement plier bagages. Et partir, quoi. Par contre, ce qui casse les couilles, c'est que il fait pas beau, yo. Il fait tout comme ça, tout triste, là. Ça casse les couilles. Mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça, man. J'avais mon petit tapis de sol, lui. Ça m'est bien. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Là, j'ai plié bagages, il me reste juste... deux trucs à ranger là. Donc voilà. Après c'est vrai que le sol, je sais pas si on voit, mais il est très, il y a beaucoup de bosses quoi. D'ailleurs il a plu un peu, enfin ce matin là. Donc ça a un peu cassé les couilles, mais bon c'est comme ça. Mais il fait beau, donc ça fait plaisir. Je pense que je vais certainement changer de chaussures parce que là. Ça me fait assez mal, mais je sais pas, je vais voir, je vais réfléchir. Et voilà, hein. Franchement, dans ma petite tanière, lui. Bon, voilà, j'ai plié bagages. Là, évidemment, la petite poubelle, hein. On ne pollue pas, c'est mal. J'ai changé de chaussures parce que franchement, elles me font trop mal, les autres, ça casse les couilles. Voilà, petite canette. Ça me met bien. Petite canette d'énergie, j'adore les boissons énergisantes. C'est vraiment une dinguerie. Bref, là-bas, j'ai remarqué qu'il y a là, le ciel, il est bleu. Et là-bas, il y a des bails obscurs, très, très obscurs qui se préparent même. Donc, voilà, j'espère qu'ils vont pas venir. Laissez-moi tranquille, les refs. Je vais partir et puis voilà, on verra ce qui se passe. Je vais quitter ma petite cabane, mon petit foyer. Voilà, un jour, il y a... quelqu'un qui va se balader, il va voir ça, il va dire... je sais pas ce qu'il va dire, mais bon bref, on s'en bat les couilles. Allez, c'est parti. Et là, franchement, big soleil, là. Ça met bien. Dieu a entendu mes prières. Petite boisson. Pour ceux qui connaissent Lido, ça met bien. Soleil, boisson, c'est parfait. On peut voir mon ombre, lui. Je marche actuellement. En direction de je ne sais où, dans aucune direction, je marche juste, c'est tout, man. Je marche et je bois. C'est vrai qu'il y a un truc que j'avais pas pensé, mais c'est qu'il y a beaucoup de vent et j'ai vu beaucoup d'arbres tomber en fait. Enfin, je les ai pas vus tomber, mais d'arbres qui sont tombés auparavant, quoi. Et c'est vrai qu'avec tout le vent qu'il y a eu, c'est ça aussi qui faisait beaucoup de bruit en fait. C'est vrai que j'ai eu peur qu'il y ait des arbres qui me tombent dessus quoi. Donc ça faut faire attention. Je crois qu'il ne m'aime pas. Mais pourtant au début il avait l'air enjoué. Viens mon petit. Je ne vais pas te manger même. Putain je lui fais peur. Oh fuck. Oh non il me fait trop de la peine. Fuck man. Oh putain. Le pauvre. Pourquoi il a eu peur, je comprends pas. Au début il était tranquille. Je pense que c'est vu que j'ai levé la main comme ça. Parce que je voulais
le caresser tout simplement. Il a pris peur même. Reviens mon œuf. Je ne suis pas méchant. Fort le chemin par contre. Putain, ici, je pourrais éventuellement me nourrir. Il y en a tellement que on verrait pas la différence si j'en prends une. Un petit poulet. Ouais, quand j'y sais, je rigole même pas. Si c'est vraiment la fesse. Je pose mon sac, j'escalade la grille. Et tu peux faire. En vrai, je pense que c'est pas aussi simple que ça de les attraper, mais je les chasse. J'en attrape au moins une. Je le taille. Après, je lui coupe le cou. J'enlève les plumes. Puis j'imagine que je la chauffe directement dans un feu. J'ai jamais fait ça, mais j'avais déjà essayé avec un pote d'attraper des poules sauvages. Ça n'a pas marché. Putain. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, bah, que voilà-je. Que voilà-je. Putain, ça me saoule, parce qu'à chaque fois que je cherche rien... Mais ouais, putain, c'est clairement... Oh, c'est quoi, on va aller l'explorer, man. On va aller l'explorer. Que se cache dans cette grange? Oh my days. Putain, mais tu sais que ça me rend fou. Ça me rend fou parce que... Waouh, par contre, le sol, là. Parce que quand je cherche un truc pour dormir, je tombe pas sur ce genre de bail. Et là, c'est beaucoup trop tôt. Je vais pas m'arrêter là, mais putain. Surtout que... Waouh, par contre, le sol, là. Ah, mais... Vas-y, flemme de descendre, mais... Parce que je crois que, en fait, même la maison est abandonnée. Putain, c'est quoi? Vas-y, let's go. Le petit like, frérot, pour soutenir. Bon, je pense que c'est fermé, là. Mais non. C'est une maison abandonnée. Oh, c'est ouvert. Holy shit. Moi, j'ai mis la lumière. Ça, c'est... Mais what the fuck, mes frères. C'est une dinguerie. Yo, yo man, big W. Don't open the inside. Oh. What? What? C'est un big nounours? What? C'est... Mais wesh, ça me fait flipper sa mère. C'est un énorme nounours, il fait trop peur la vie de ma mère. Putain, oh, j'ose pas ouvrir. Non, la vie de ma mère, j'ouvre pas. La vie de ma mère, j'ouvre pas, frère. Je m'en bats les couilles. Vas-y, on va voir en haut, on a deux spies. Putain, mes frères. Dis-moi pas, il y a un lit, je vais péter un câble. Ah non, c'est pas un lit. Putain, il y a des chaises carrément. Putain, ça part en urbex improvisé. Mais what? Putain, j'aurais tellement pu dormir là-dedans. Il y a une trace de pied. Ce sont des toilettes. Il y a même du PQ. Bon, j'en ai, mais bon. Putain, mes frères. Non, pour de vrai, je vous cache pas. Je vous cache pas les rails. J'ose pas ouvrir la... Pourquoi? Mes frères, elle est hantée cette maison, c'est une dinguerie. Dans la vie de ma mère. Je suis vraiment pauvre, hein, cette... je rigole même pas. J'ai pas les couilles d'ouvrir cette porte, non. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez que c'est. Attends. Ah, mais. De toute façon, elle s'ouvre pas. Bon, voilà. Par contre, ce nounours-là, il fait flipper sa mère. Il a la taille d'un humain. Tout le monde, il y a un cadavre caché à l'intérieur, frère. C'est une dinguerie. Mais what? C'est encore des nounours. What the fuck? Vous voyez ce que je suis en train de voir, même? Il y a des putains de rituels sataniques ici. Mais what?
Mais frère, il y a des nounours avec des rituels sataniques, frère. Stand here. Mais what the fuck? Les raids, c'est réel. La vie de ma mère, c'est réel, frère. Je suis dans une maison hantée. Mais what the fuck? Mais what the fuck? C'est une dinguerie. En vrai, je sais même pas si je serais dormi ici, parce que là... Bon, vas-y, on va voir là, et après on va voir là-bas. Mais vraiment, c'était pas prévu, c'est... Putain, j'ai peur de découvrir un cadavre. Ah non, ça va. Non, mais vraiment, à chaque fois que j'entre dans des lieux comme ça, j'ai peur de tomber sur un cadavre, frère. Putain. Il y a même une cheminée et tout. Mais what? Non, mais oh, vraiment, le bail des rituels sataniques, là, ça fait flipper sa mère la pute. Évidemment, là, vous regardez la vidéo, donc vous dites, ah, tranquille. Tranquille, frérot, vas-y, ouvre la porte. Va dans le rituel satanique, frérot. Fais-toi posséder par des nounours. Mais man, ça fait flipper. Ah, il y a une casserole, ça peut être utile. Ah, c'est vrai qu'il y a un étage, là, mais je sais pas comment on y accède. Vas-y, je vais voir là-dedans. La fenêtre elle a bougé, ça me fait flipper. What the fuck? Mais what? Mes frères, c'est... Putain, il y a eu un bruit. Bon, voilà. C'est quoi ça? Ah non, c'est un feu, je croyais que c'était une cigarette électronique. Heureusement, j'ai pas découvert ça la nuit. Mais what? Il y a encore un nounours. Mais la vie de ma mère, c'est une dinguerie, frère. C'est une dinguerie. Bon, là, il y a un chemin, je pourrais pas repartir par là. Mais what? Mais frère, mais Théma, comme il me regarde, frère. Sur la vie de ma mère, la maison, elle est possédée par des nounours. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Mais what the fuck, man? Mais what? Vous voyez ce que je vois, man? C'est une dinguerie, frère. Putain, mais il y a plein d'assiettes. On peut vivre là-dedans. Mais ouais, je mets tous les jouets, par contre. C'est abusé. Putain, moi, j'aimerais bien trouver des téléphones, des caméras, des trucs comme ça, mais il n'y a que des jouets. Vas-y, je vais voir vite fait là. Il y a une bonbonne de gaz. Ah, il y a des matelas carrément. Putain, en vrai, ouais, non, je vais pas prendre un matelas. Je vais pas me trimballer en matelas, non, mais. Putain. Donc, voilà, là, ça va, ça fait moins flipper. Ah, il y a même des Lego. J'étais fan de Lego, même. Une carte Pokémon. Je la mets en vente, même. Je fais des enchères. Vente aux enchères, même, dans les commentaires. Dites combien vous avez... Non, je rigole. Bon, bah, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des petits trucs de valeur? Mais tous les trucs, c'est de la merde. Putain. J'ai trouvé de l'argent, des trucs comme ça. Putain, il y a des vieux... Oui, pas trop bien. C'est des... Des parapluies hawaïens, merde. Putain, mais c'est nul, wesh. Des chaussures Spider-Man. Putain... Non, en vrai, si j'avais découvert ça la nuit, j'aurais pris un matelas. Mais bon, putain, elle a été retournée, la maison. Oh, il y a Bob l'éponge. Wesh, il y a des trucs pour chat. Ah, je pourrais l'offrir à un chat, si je trouve un chat. Surtout que ça a pas l'air très périmé. Ah, vas-y, nique sa mère. Par contre, il y a Bob l'éponge. Si, c'est trop bien, Bob l'éponge. J'ai pas trop regardé étant jeune, mais ça avait l'air bien, man. Bon, bah voilà, hein, c'est tout. Petite découverte. C'est une dinguerie, je suis sur un pont. Et on dirait pas trop le chemin de fer là qu'il y a dans The Walking Dead. Qui suivent au moment, c'est exactement ça, mais waouh. C'est un coup, ils l'ont tourné là, frère.
C'est incroyable. On est vraiment dans The Walking Dead. Hein. Tout moment, t'as Rick, il pull up. Enfin, bref, voilà. Ouh. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi même. Ce drapeau est vraiment très spécial. Il symbolise l'union de quelque chose même. Quelque chose que je ne sais pas. Voilà, pour ceux qui connaissent ce genre de drapeau, je ne connais pas même. Actuellement, il est midi 47. Donc j'ai mangé déjà, j'ai fait à peu près 8 km, quelque chose comme ça même. Donc voilà, tout simplement. Mais je suis en train de me rendre compte que je vais certainement me faire un peu chier pendant 7 jours seul. Donc voilà, je pense que ça va être un des trucs qui est... Mais bon, c'est, on va dire que c'est une retraite spirituelle. Mais c'est vrai que... Oui, bah, je pense que je vais me faire chier, quoi. Bon. C'est ça. Il faut savoir s'ennuyer dans la vie. Et voilà. Hein. Là, je pense que je vais, parce que pour de vrai, là, j'ai pas trop mal ni au dos ni nulle part, quoi. Donc, je pense que je vais faire, je sais pas, peut-être en tout 20 km, hein, peut-être plus de 20 km, je sais pas. Ça dépend. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais sinon voilà, frérot. Bon, les Ray, petit changement de plan. Update. Donc là, je suis dans un espèce d'abribus. Bon, il y a des voitures qui se passent, on va peut-être pas bien entendre. Mais en gros, déjà, il pleut fort, tu vois. Donc, j'ai dû me poser là pour me changer. J'ai changé de pantalon, j'ai mis un truc imperméable et tout. Parce que j'étais mouillé, en fait, tout simplement. Et j'ai vu sur la météo ce que je n'avais pas prévu, c'est que cette nuit il va pleuvoir en fait. Donc il va pleuvoir toute la nuit. Donc ce que je vais faire, j'ai bien réfléchi et je voulais essayer de trouver genre un endroit dans un stade de foot ou quoi pour dormir ou tu vois. Mais je vais être obligé de retourner donc à l'urbex qui est possédé par des nounours. Voilà, pour dormir dedans tout simplement, parce que j'ai vu qu'il y avait un matelas en plus, et surtout pour être à l'abri de la pluie. Donc ça casse le cou parce que du coup ça me fait rebrousser chemin. C'est à genre 11-12 km, j'ai regardé sur la carte, donc je vais devoir rebrousser le chemin de 12 km, mais au moins je vais dormir au sec. Et je vais peut-être me faire posséder par un démon. Franchement, c'est pas impossible. Hein. D'ailleurs, heureusement que j'ai repéré ça, parce que sinon, là, c'est franchement, c'est impossible que je dorme comme ça dehors. J'ai pas de tente et tout. Après, en vrai, non, c'est possible. En vrai, c'est possible, mais j'ai vraiment pas envie. Parce que j'ai une espèce de bâche que j'ai faite, mais le problème, c'est que, il y a des problèmes avec cette bâche. Elle ne fonctionne pas assez bien. Ça fait de la condensation quand je la mets et ça mouille encore plus, donc ça sert à rien, quoi. Enfin, ça sert s'il pleut vite fait. Mais du coup, voilà. Tout ça pour dire que je vais rebrousser le chemin. Putain. Ah, j'aurais galéré, hein. Revenu au point de départ, quasiment. Hein. Ça fait que j'ai fait, genre, plus de 20 km, peut-être 25 km pour rien. Mais enfin, en vrai, c'est pas pour rien, parce que genre là, j'ai pas un, comment dire, j'ai pas un objectif de kilomètres, genre j'ai pas un objectif de lieu ou quoi à atteindre, donc c'est pas grave. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, en plus, ça m'aura entraîné. Faut que je m'entraîne pour l'armée, du coup non. Je vais essayer de choper un petit matelas et puis ça va se caler, hein. Bon voilà, j'ai posé mon matelas. Donc bon, j'ai bien galéré. Surtout c'est un matelas pas ouf. Et ouais, vous inquiétez pas, je vais pas dormir directement dessus. Hein. Je vais mettre ma bâche et tout, tu connais. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, aussi j'ai fermé la porte en bas. Parce qu'il y avait un verrou. Donc j'ai fermé à clé, tu vois, au cas où quelqu'un veut venir
pendant que je suis là, tu vois. Comme ça, au moins, s'il casse la porte, j'entendrai. Et ça permet aussi que s'il voit que c'est fermé, il entre pas, tu vois. Donc voilà, j'ai fermé la fenêtre. Je pense pas que je vais fermer les autres volets, là. Que dire de plus? Voilà. Ouais, ça m'est bien, hein. Il y a des petites chaises. Voilà, voilà, quoi. Et c'est bizarre, genre partout il écrit pourquoi, genre là. Genre là aussi il écrit pourquoi, il y a un truc facile. Là il écrit pourquoi. Putain, j'aurais tellement pu dormir là-dedans. Là il écrit pourquoi. Là, je sais pourquoi, mal, c'est incroyable. On voit qu'il y a eu beaucoup de traces de pas, mais elles sont pas récentes, non. Donc voilà. En espérant que personne vienne me déranger. Une chambre. Voilà, je me suis posé. Donc, j'ai fait 2-3 courses. J'ai oublié de dire. Et voilà, tout simplement. Ça fait plaisir. Donc, là, je pense que ça va être à moins que je meure. À moins qu'on vienne m'assassiner. En pleine nuit, man. Et bah, ça va être le dernier rush avant demain matin, man. Que je dorme. J'espère que c'est pas du caca, mais non, je pense pas. Donc voilà. Voilà. Donc, moi, je vais manger. Et je vous dis bonne nuit, les reilles.